Situation a fini plus compliquée dans le pays d'Haïti depuis que le président Jovenel Moïse lui-même est arrivé perdu la ville dans la résidence privée dans Pèlerin 5, date qui était 7 juillet 2021. Tout le monde qui est dans la diaspora, tout le monde qui est dans le pays d'Haïti, a une seule question sous l'œil. Qui est-ce qui a assassiné président Jovenel Moïse? Eh bien, n'a pas annoncé que l'enquête lui-même li a continué pour suivre Chimel et arrestation a continué faite. Moun ki sous mezi conservatoire a toujours sous mezi conservatoire. Moun a met en isolement a toujours en isolement. Déjà Léon Charles lui-même li t'a fait comprendre que lui-même li pas garder sous côté, li pas garder ni devant ni derrière, l'a prêté nan mitan, yon façon pour lui continuer mener enquête ça pour lui ka punir chaque grain moun qui participait dans la mort président Jovenel Moïse. Jeudi vendredi 16 juillet 2021, Guillaume Énième CSPN qui baille dans résidence officielle Premier ministre Ponti Boutan Claude Joseph côté yota fait population on connaît qui le et qui côté exactement que entièrement président Jovenel Moïse même li a arrivé chanter. Yota profité passer sous quelques nouvelles indices que yota révélé dans enquête qui a fait autour de l'assassinat du président de la République son excellence monsieur Jovenel Moïse. Hier jeudi 15 juillet 2021, FBI a fait un énième voyage, une énième visite dans caille privé président Jovenel Moïse, puis au cas où il veut quelques autres indices. Pays États-Unis capé de bang pour faire connaître que n'y pas connaître ni gouvernement ni pouvoir qui légitime actuellement là en deux pays. Joe Biden n'a pas côté parler en conférence de presse, pas mettre de l'eau dans la bouche pour faire connaître que là, il est beaucoup prêt pour voyer troupes en deux pays d'Haïti, mais quand même, il y a un travail que il a pas continué faire ensemble avec pays ici là. Gabriel Fortuné nous connaît qui c'est une nan bras droit président Jovenel Moïse, t'a arrivé faire quelques déclarations sous panel. Magic 9 matin là, ça qui t'a aidé pour avancer dans l'enquête qui a mené. C'est entre autres informations que nous portons pour jeudi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui fait que tu sur la chaîne, pour abonner. Et ou même qui t'es abonné déjà, n'amando pour continuer à liker, commenter, partager. Une façon pour aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que vous cliquez sur la cloche notification. Une façon pour pas perdre notamment pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. J'ai noté annoncé déjà dans titre et mais un énième CSPN qui baille jodi a dans résidence privée premier ministre par intérim Claude Joseph côté notamment yo t'a discuté et fait population connaît ça qui a pas passé dans organisation funérailles président Jovenel Moïse et t'a profité répondre quelques questions tout que journaliste au même yo t'a envie poser depuis hier lorsque journal Noticias Caracol avec Caracol Radio dans pays Colombie t'a fait comprendre que premier ministre pour un petit bout Claude Joseph, c'est une nan plus gros hôtel intellectuel Zaksa qui fait sous président Jovenel Moïse. Eh bien, dans la conférence de presse, dans le commencement, nous avons remarqué que Claude Joseph qui pas focus vraiment sur la déclaration journal colombien, yo, ni focus sur ça qui gagne ouais, ensemble avec toute question qui a posé. Mais il a fait une déclaration pour faire connaître que yo ka assassiné ou bien yo quitté enquête là lui-même, li continue à poursuivre Chimel. Dans le moment où les journalistes ont posé des questions, et mes premières questions posées Claude Joseph, c'est demander exactement qui ça lui pensait, qui j'en ai réagi, lui a remarqué que le journal colombien ou même a fait de telles déclarations. Et bien Claude Joseph lui-même, il a fait comprendre que c'est un complot qui gros, c'est un complot qui grand, que a assassiné, mais au pape Jean qui a assassiné caractère. Depuis que le président Jovenel Moïse mourit, c'est lui-même qui a campé sous deux pieds, il a façon pour lui gérer le pays, ensemble avec l'autre monde qui ensemble avec lui. N'a pas tant de réponses Claude Joseph et puis n'a pas tourné. Complot à loup. Mais nous pas fait là. Nous pas fait là. Assassin ont comprendre que t'a fin touyer président Jovenel. Toute l'autre autorité t'a couru. Yo comprendre que t'a fin touyer président Jovenel Moïse. Toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps. Temps pour effacer indicieux, indices sur ces crimes-là, et puis nettoyer avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale,
grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans nous, comme nous connaissons. Nous continuons à poser des questions, continuons à chercher des intellectuels criminels, traîner la justice pour payer ça. Nous avons deux choix. C'est soit vous assassinez, même Jean, vous assassinez le président Jovenel Moïse, c'est soit vous quittez l'enquête là pour y venir en bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait by côté enquête là, la évolution de aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre à la question. Mais ça qui est également à la funéraille là, je vais quitter. Ministre de la Richesse également ajouté de moi après des GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Saluer tout membre du gouvernement qui est avec nous là et nous remercions la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informée de l'évolution enquête que la police a diligenté dans le cadre d'assassinat crapuleux le président noir, M. Jovenel Moïse. J'en désire dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier. Enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. J'en dis qu'il y a deux niveaux, d'enquête qui est lancé. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale, côté où vous mettez en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a un autre policier que nous plaçons en isolement. Donc, j'ai suffisamment d'éléments pour me placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aider tout policier qui était de service. Et répondre, ça concerne les rapide, pour me passer et connant à DG. Et pour une bagarre, m'a dit, c'est que moins estimé, n'est-ce pas, que le journal et noticias Caracol là, l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, m'a premier ministre. Alors que, à titre là, cité comme premier ministre novembre 2020, je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejetait en bloc et nous sommes capables de dire accusation ça. Mais ce qui est important, c'est que moi pas déstabilisé. Parce que moi c'est monde qui écrit, qui m'a dit pour FBI et Vina, pour nous jouer un support colombien. Moi pas découragé. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller pis là parce que moi-même c'est assassiné qu'on assassiné ou bien faut qu'enquête là abouti. C'est ça seulement mon capable de dire. Enquête là pas abouti, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère ça yo, yo pas marcher parce que me faut assez. Depuis le président Maurice 7 juillet, on campé avec conseil ministre NM, avec secrétaire d'État de NM. Jour et jeudi, on avance. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner. Mais en avancé, enquête là de la route. Merci. Ça, c'est vous. Deuxièmement, qui rapport qui vient entre Colombiens
nous arrêter avec Colombie récemment, c'est venu renforcer le travail de BNHA. Je vais quitter DG PNH à répondre à la deuxième question. Informe, dis-nous que on a minimisé l'environnement, on a minimisé totalement la question Caracol. Nous minimisons, cependant. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit un bon matin levé, et sûrement avec support complot d'ailleurs. Eh bien, il y a beaucoup de vis là. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire beaucoup de parler. Même, je dis nous clair, que ça ne va pas affecter du tout, du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Et il faut que l'enquête là aboutit, il faut que nous jouions un criminel. C'est ça seulement capable. Merci. Normalement, Claude Joseph lui-même, lui allait plus loin pour le faire comprendre que message vocal qui t'a circulé sur les réseaux sociaux faisait croire que c'était la première dame de la République, Martine Moïse. Eh bien, c'était tout bon. C'est Martine Moïse qui t'a enregistré. Lui fait comprendre que Martine Moïse a souffri un pile dans le moment, mais son femme qui gagne un pile force, une femme qui gagne un pile courage, et que madame lui-même, lui a présent lors des funérailles du président de la République, son excellence, Monsieur Jovenel Moïse. Et bien, funérailles ça au même, yo gen pour chanter dans date 23 juillet 2021 dans ville Cap-Haïtien après plo que depuis 13 juillet qui s'est passé à la MBOT transféré corps président républicain dans zone Cap-Haïtien puisque c'est là il était demandé pour yote kabal yon dernier hommage. Et mena pa bo tande normalement Pradel Henriques qui se ministre communication kap bo plus détail sous organisation funérailles président Jovenel Moïse. C'est lieu logistique qui, dans l'immédiat, supposé et a fait évaluation, site pour funérailles, la fête. Là. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagage, mais avant de nous arriver sur seul bagage, nous besoin qu'on ait un, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui est dans trois dates, et à partir de deux jours de travail, nous avons fait trois dates, yo, c'est le 20 juillet. C'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qui a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous avons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, tu as gagné un décret s'arrêté, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques. Préséance, honneurs civils et militaires, décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles en ses articles 32 et 36 toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même l'a dit, de Mapliburu, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précise quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean lui prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant que nous parlons là, sur le site espace. Et écoutez, funérailles après la fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse
et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, parole tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé pour bail président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en ai débuté. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Normalement, c'est comme ça. Déjà, Léon Charles, lui-même, bon côté parle, t'as fait comprendre que il y a 24 agents qui sont dans le conservatoire actuellement là, et que il y a 5 agents tout qui sont dans l'isolement dans le moment, dont là-dedans, c'est 4 agents de sécurité, c'est 4 chefs sécurité palais national. Dimitri Erreur, Jean Aguel Civil, Amazon Paul Eddy, ensemble avec Pierre Léandre, lui-même, qui est responsable notamment sécurité présidentielle. Normalement, il y a un 5e agent que arrivé mettez en isolement hier soir, ça qui vient bail un total de 5. Là nous contrôler n'a remarqué que gagne 29 agents. Or, dans la première déclaration que DG Léon Charles lui-même était arrivé fait, il était fait comprendre que notamment t'es gagné seulement 21 agents sur les lieux du crime, mais là gagne 8 agents en plus qui ajouté sous l'ISA, et bien DG Léon Charles lui-même l'hypoko baille plus détails sous enquête. Si là, il fait comprendre que chaque fois que détails a venu, indice a mené le côté pour mener l'eau, et bien peuple haïtien a connu exactement qui ça qui a passé. Il fait nous connaître, puis nous prenons un cafouillage, puis nous quitter moun qui a brouillé indice, qui a mette nous dans doute, yon façon pour yon ka faire enquête là lui-même, au lieu de avancer, c'est ralenti lui-même, li ralenti. N'a pas fort connaître que FBI lui-même, li gen 6e visite que li fait dans la résidence privée président Jovenel Moïse à 15 juillet 2021 côté yo arrivé joindre quelques autres indices qui ka mené yo résoudre enquête ça qui a mené autour de assassinat Jovenel Moïse. Et bien indice ça yo te poté dans plusieurs paquets soit qui en plastique ou du moins qui en carton, sauf que n'a rappelé normalement que juge nan li même qui te fait constat, te fait comprendre que président Jovenel Moïse mouri en bas 12 cartouches et madame li même li ta recevoir 3 cartouches, ça qui ta bay yon total de 15 cartouches. Et bien, dans visite des lieux que FBI li même li fait hier 15 juillet à ka Jovenel Moïse, et bien yon ta remarqué que gen 21 troubles sous scène de crime. 6 cartouches sa yo, est-ce que yon te tiré avant ou bien après que président lui-même li arrivé mourir, personne pour qu'on connaît, sauf que normalement là l'enquête se poursuit. Martine Moïse nous connaît qui t'a fait déclaration sur compte Twitter, quand elle t'a fait comprendre que li poko jam saisi comme ça, poko jam li poko jam ka fin croire notamment que Marie mourit devant eux sans pas dire le dernier mot, et met a fait déclaration pour faire connait que mercenaire yo ta bal quelques calotte pour yo ta vérifier est-ce que oui ou non li mourit vraiment. Et méchant ça pour Martine Moïse, sans doute là li ta prend calotte yo li te gen perdu connaissance, ça qui vient arriver que la vie li saine et sauve nan moment que nous a parlé. À la gouvernement pays d'Haïti a te fait une demande ensemble avec les États-Unis yo façon pour yo ta voye quelques troupes militaires dans le pays pour t'avoir sécurisé quelques sites en dans le pays d'Haïti. Et mais président Joe Biden lui-même t'a fait comprendre exactement là que l'hypoco paré, que l'hypoco penché sur ça qui gagne à ouais voyer militaire en dans le pays d'Haïti, mais plutôt lui gagne pour voyer la marine pour venir sécuriser ambassade américaine, puisque là dans moment ambassade là lui-même lui besoin un dispositif de sécurité qui vraiment énorme dans moment qui donc gouvernement lui-même lui ou l'huile dans de mode ça qu'elle était adressée ensemble avec les États-Unis. Bien que la France lui-même bon côté parle t'a demandé pour États-Unis lui-même t'a fait une façon pour t'a aider pays d'Haïti et maintenant résoudre enquête ça, et maintenant rappeler on a fort qu'on est que normalement là, et bien Joe Biden lui-même li poko prêt pour lui voyer troupes ça yo en Haïti, bien que lui fait comprendre que lui a continué bay l'autre aide li capable bay pour enquête là lui-même li ka résoudre, mais pays d'Haïti pour qu'on mette espoir sous envoi des militaires pour sécuriser quoi que ce soit pour yo en dans pays. Pays États-Unis aller plus loin pour faire comprendre que li pa konnen ni gouvernement premier ministre ni pouvoir légitime en dans pays d'Haïti, et que peuple haïtien ou même yo ta supposé former yo gouvernement de coalition, yo ta supposé former yo
entente dans moment là puis on fait dialogue entre acteurs yo façon pour joindre yo solution ensemble avec crise qui a ravagé pays d'Haïti côté jodi a notamment fait plus de 9 jours que président républicain lui-même li arrivé perdu la ville et que jusqu'à présent pas gagné ni gouvernement provisoire ni pouvoir en de pays qui pourta aider et peuple haïtien au même remonter pot ça qui très difficile pour remonter actuellement là qui donc conseil États-Unis pour pays d'Haïti c'est normalement former yon gouvernement de coalition comme ça n'a joine yon piste de solution ensemble avec ça qui a passé nous là actuellement là nous pas besoin mettre espoir nous sous étranger pour venir résoudre ça qui a passé notamment en de pays. N'a pas remarqué notamment que Gonzague Dey qui c'est ministre intérieur lui-même li nan tout CSPN yo, sauf que li pa jam di yon mot notamment ministre intérieur lui-même li gen comme attribution pour li protéger pouvoir exécutif là li gen comme attribution pour li protéger sécurité de l'état li gen comme attribution pour li connaître exactement qui ça qui a passé en de pays d'Haïti et pour li travailler en étroite collaboration ensemble avec toute l'autre institution en de pays yon façon pour yon ka gérer pays si la. Dans toute enquête qui a mené là, dans toute conférence de presse qui a bayo, nous remarquons yon Gonzague Dey lui-même qui fait silence alors que c'est lui-même qui ministre intérieur en de pays d'Haïti, yon nan ministère qui pi important que pays a lui-même li ka konnen puisque c'est ministère ça qui gagne pour régler tout ça qui gagne a wè ensemble avec interne nan pays d'Haïti mais Gonzague Dey lui-même jusqu'à présent li fait silence et police judiciaire en tout n'a remarqué que yo fait yon retrait notamment sous zak assassinat ça qui passait sous président Jovenel Moïse et que c'est celle Claude Joseph Pradel Henriques ensemble avec DG Léon Chol qui a mené bok pays d'Haïti. Gabriel Fortuné lui-même bon côté parle, t'a fait des déclarations pour faire comprendre que président Jovenel Moïse t'a demandé acheter 60 fusils pour lui et que Dimitri Erol lui-même lui t'a acheté, lui t'a commandé normalement 260 fusils et déclaration lui fait après à demander est-ce que c'est pas yon nan fusil sa yo qui arrivé assassiner président Jovenel Moïse. Et mais Gabriel Fortuné allait plus loin pour faire comprendre que c'est décharge ça que président Jovenel Moïse avec la Cour supérieure des comptes te mette ensemble pour te octroyer ensemble avec quelques anciens ministres qui accéléré assassinat président Jovenel Moïse sous tête pouvoir en dans pays d'Haïti. N'a pas rappelé que il y a un paquet de monde qui te commencé critiquer et bien action ça que Cour supérieure des comptes t'a posé pour les tabay décharge ensemble avec yo paquet anciens ministres que nous yo cité dans dilapidation l'argent Petro-Caribe ou du moins dans dilapidation l'autre l'argent qui te gain pour faire projet en dans pays d'Haïti. Et monsieur Gabriel Fortuné c'est décharge ça qui accéléré l'homme président Jovenel Moïse puis rapide dans tête pays d'Haïti. Cornage Delma 32 jusqu'à présent un bien cadavre yo même yo nan morgue et que met morgue li même ta mandé 75 000 goudes par cadavre pour ta remettre yo. Qui donc depuis 29 juin là, jeudi 16 juillet 2021 jusqu'à présent et mes famille moun sa yo, yo boko ka jwenn cadavre pour ta organiser ou bien chanter funérailles pour yo normalement je sa ta supposé fête. Diego Chol li même bon côté parle et bien enterrement li chanté depuis 13 juillet 2021 côté yo te rendi un dernier hommage dans ville Jérémy surtout dans l'église médaille miraculeuse. Moun qui te sauvé dans campus yo côté normalement ou te arrivé mettre du feu, nous connaissons moun qui handicapé ou qui tape vive là et bien ya vive de façon entassée côté, yo pas même ka respirer bien. Moun sa yo et bien voyons SOS by toute autorité qui responsable, surtout office protection citoyen lui-même, li ta fait comprendre que moun sa yo yo besoin aide urgent l'état pays d'Haïti, ni moun qui sorti dans pistio, ni moun tout qui sorti côté yo te réfugié dans centre sportif de Carrefour puisque yo pas ka supporter katouche qui tape continue tirer notamment sous Mortis. C'est toute information ça que nous t'ai porté pour jeudi. Merci d'être qu'on continue like, commenter, partager. Merci d'être qu'on continue inviter une famille à qui on s'amuse ou rester abonné ensemble avec chaîne pour qu'on gagne bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.